avec sa gueule cassée par les années, toute barbouillée d'échecs et de regrets. Il vivait là, sur son bout de trottoir, son sac plein de richesses dérisoires, et les gens qui passaient tout à côté, certains soucieux et les autres pressés, soigneusement t'évitaient de le voir, bien trop gêné de croiser son regard. Dans la tribu des gens civilisés, il y a peu de place pour ceux qui ont raté. Si quand tu tombes, un ami n'est pas là, qui te relève et t'ouvre grand les bras, c'est difficile quand t'es au fond du trou de remonter si t'es qu'un rien du tout. Il aurait pu avoir vécu 100 ans, les joues creusées, tout rangées en dedans, les yeux perdus dans un rêve d'ailleurs, imaginant peut-être le bonheur sur un carton qu'il montrait résigné, les mots j'ai faim qui étaient griffonnés ne semblaient guère émouvoir les chalands. Certains jetaient une pièce en passant. À la tribu des gens civilisés, où l'on chante dans la fraternité, quand on est pauvre, quand on vient d'ailleurs, quand on a la peau d'une autre couleur, c'est difficile parce qu'on est différent d'être traité comme les autres gens. Quand il est mort sur son bout de trottoir, durant 2 jours, il a connu la gloire. Tous les médias en criaient au scandale. Mourir de froid, c'est vrai, c'est pas banal. Il y avait personne à son enterrement, pas de curé, de sermon complaisant. Pour lui, pas de grande cérémonie. La société fait des économies. Dans la tribu des gens civilisés, il y en avait sans doute prêts à l'aider. On vit souvent dans son petit confort, en oubliant qu'ensemble on est plus fort. Dans la tribu des gens civilisés, vaut mieux être blanc, riche et en bonne santé.